Wilson. Oh, téléchargement de nouveau contenu. Il y a du nouveau contenu? Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Et bon, ok. Oh, la forgeronne qui est là. Allez parler à Ingrid. Bonjour, mercenaire. Voulez-vous forger une épée? Ou bien faire de la confection? Là, j'ai des potions puis des pommes qui me permettent de me régénérer en combat. J'ai pas mal du popé stock pour mon niveau. C'est sûr que, bon, là-dedans, il y a du stock niveau 45. Je suis rendu niveau 54. C'est pas loin d'avoir besoin de t'sais. C'est pas vraiment maintenant, il est là, lui, ok. Et là, t'as une marchande de procédés, des biens consommables, un bijoutier. Aubergiste. Engager des compagnons. Eux autres, c'est avec des gemmes. Par contre, mon personnage s'upgrade avec... avec des affaires. Morgane a une nouvelle quête pour vous. Il y a Alarion qui a une nouvelle quête, semble-t-il. Excellent travail, Yena. Marcus est maintenant sauvé. Quelqu'un d'autre aura besoin de votre aide. J'ai appris qu'Aileen, une de vos amies d'enfance également, a aussi été capturée. Elle est détenue à Andera. Partez la secourir, vous et Marcus. Bon, là, Morgane, les frères main gauche. Yena, mon frère Gauthier, vit à la ferme sur la route d'Andera. Si vous passez dans le coin, vous pouvez aller voir s'il va bien. Acceptez. Oui. Et là, il y a une autre quête. Ragoût aux champignons. Il y a des champignons vraiment délicieux qui poussent le long de la route d'Andera. Apportez-moi, s'il vous plaît. J'en ferai un ragoût si succulent que vous allez l'adorer. Je parierai voir votre toute dernière pièce là-dessus. Donc, 10 champignons. Ça va me faire un bol de ragoût aux champignons. OK. Ben d'accord avec ça. Ben. Donc là, ça me dit d'aller là. Partir à l'aventure! Je savais, je veux juste m'assurer que... coffre. Les XP de saison, non. C'est ici. Ah, je pense que oui. Il y a des choses ici. Tu te connectes à tous les jours. Nouvelle clé de donjon. Vous avez reçu une clé de donjon. Ok. Note de mise à jour. Les quêtes courent à présent les quatre mondes d'Eternium. Le système de quête a été très grandement élargi et amélioré. Des indices textuels et des flèches vous guident à présent dans votre aventure. Et ça, surtout au début du jeu. Ben. Et ça, j'ai un grand trésor, merci. Ça, sélection de joyaux. Merci beaucoup. Petit booster d'expérience. Un grand trésor. Des sélections de joyaux. Petit booster. All the bank. Hey my god. 291 902 pièces d'or.
D'accord, ben merci. 1000 gemmes en plus. Bon, petit trésor. J'ai aucune idée ce que c'est. 5 étoiles, gna gna gna, inspiré, gna gna. Ça c'est. Non, je veux pas dépenser 10$. Je sais pas trop ce que je peux faire. Ok, bon! Là, ça. Ok, ça on met ça là, ça, ouvrir, bim, ploup 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 et ploup, epic, bon, j'ai un casque ici, robustesse, blablabla, Colin c'est normal. J'ai un casque niveau 55. Des pitilons. Ouais, je perds des dégâts aussi. Wow! Non, non, mais je veux pas le. Oh. Ouais. C'est pas. C'est pas assez bon comme pour moi, genre. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Il n'y a pas grand-chose de bon, hein. Non. 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 Et non. Ok. Un petit boost d'XP. Là, on va. Ah, bon, j'ai regagné celui que j'avais foutu par terre. Puis tout en ici, on va dissocier hein? Tout ce qu'il y a de jusqu'à mauve. Bon, voilà. Merci. Puis là, on va ouvrir ça. Yes. Merci. Bonsoir. On va ouvrir celle-là. Ah, j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Donc, ça, comme ça. Ça, fusionner. Yes. Je vais l'amener ici. Celle-là. Fusionner. C'est ici. Quand t'en as trois, tu les fusionnes. Tu fais des gros gemmes avec. Yeah. Bon, c'est sûr. Fusionner. Alright, 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 alright. Ça, ça, on va mettre ça là. Ça comme ça. Ça, ah! Ça ici, ça comme ça. Ça comme ça. Ok. Là, on va ouvrir ça. On va avoir un paquet de gemmes encore. Ok. Fusionner. Ça. Fusionner. Ça.
d'accord. Bim. Et là, celle-ci, ça, fusionner, ça, madame celle-là, ça, fusionner. Ensuite de ça, ah oui, c'est comme ça, il faudrait, là. Ouais, je vais mettre ici, ensuite ça ici, et ça là. Ah, la clé de donjon, on va mettre ça là. Grand booster de ressources. Non. Ok. J'en ai un déjà qui est dessus, c'est pour ça. Bon! La route d'Andera. Ça et ça. Jouer, bon. Finalement. Bon, nous partons chercher Eileen, la guérisseuse. Andera, mais le chemin est au-devant grouille des serviteurs de ma grotte, le démon de la montagne tranchée. Gauthier, votre frère Morgane veut savoir comment vous allez. Wow, vous connaissez Morgane? Vous avez fait tout le chemin depuis Holdin, alors? Il sourit, mais son regard est curieusement fuyant. Morgane va bien? Ça m'en avait tout l'air. Gauthier baisse la tête. Je n'ai pas si bien que ça, en fait. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Mes automates sont devenus complètement fous. Ils m'aident autrefois. Il m'aidait autrefois avec les travaux de la ferme. Il me protégeait de ces fichus squelettes, mais ils se sont retournés contre moi à présent. Je ne peux même plus rentrer dans ma maison. Je fais un an de programmation à l'académie. S'il vous plaît, parvenez à les vaincre et apportez-moi leur programme. Je pourrai peut-être alors comprendre ce qui a cloché. 7 programmes corrompus des automates. Ok. Et vous gagnez une vidéo pour avoir 5 gemmes promotionnelles. Envoyez donc. Vidéo promotionnelle. Indeed.
Gold is good too, indeed. Oh. Voilà, je les ai. Oh, super, faites-moi voir. Il prend un air songeur et se mordit la lèvre. Il y a un problème. Bon sang, ils ont été reprogrammés à distance, mais comment? Je suis le seul normalement à pouvoir les reprogrammer. Mais bon, au moins je peux rentrer chez moi à présent. Merci, je pense pouvoir reconstruire quelques automates à partir des morceaux. Et j'essaierai de les reprogrammer complètement. Mais rien d'autre à faire de toute façon. Puis, passez le bonjour à Morgane. Bon. C'est le fun, ça. Golden Glory. Ouais. 53 gemmes. Non. L'affaire, c'est que les gemmes là-dedans, faut les garder pour upgrader ton personnage. Parlant de ça. Parlant d'upgrader mon personnage. C'est où déjà ça? Ça, c'est en quelque part là-dedans. Ah, piège magnétique. Amélioré pour 400 pièces. Oui. Bon. Ça, c'est mes compagnons. Il y a Marcus. Eileen, que dans le fond, j'ai déjà, mais c'est juste on refait la quête. Et Robin, la chasseuse. Mais c'est chasseur qu'ils disent. OK. C'est un gars, Robin. Robin le chasseur. Le petit chasseur. Le feu au pont, on va devoir trouver un autre moyen d'aller en Andera. Ah bon? Aïe aïe. Oh, a gemstone. On my way, enemies ahead. Ah oui, c'est les champignons, ça va. Kaboom, indeed. Ah oui, donc, on regarde une vidéo. La même que tantôt, bon. Oh, surprise. Thank you.
Évidemment, vous n'êtes pas obligé de voir, de regarder les vidéos. Même que je vous le recommande pas si vous êtes pas sur un Wi-Fi. Mais là-dedans, les gemmes sont un peu nécessaires pour upgrader votre personnage. Mais c'était ici, ma scène. C'est un jeu qu'on peut utiliser différentes compétences. Là, je les ai pas faites, là. Aussi, c'est pas tous les niveaux. C'est pas dans tous les niveaux qu'il y a des espèces de petites boîtes pour vous donner des gemmes. Donc, là, moi, vu que je suis sur un. Sur le Wi-Fi de chez nous. L'inventaire est plein. Ah, bon, voyez-vous, là, je vais faire un portail, donc un S. C'est quoi les autres cassons? Ça, c'est. Les champignons, hein? Oui, ok, oui. Et j'ai aussi des gemmes. Et un petit XP que je vais mettre. Oh, non! C'est vraiment un autre genre de petit XP. Gauthier va bien. Je l'ai aidé à régler certains petits problèmes. Il vous passe le bonjour. Oh, Gauthier, c'est un bon gars. Mais il est un peu bizarre. Merci, Yena. Tenez, prenez cet anneau. Gauthier et moi l'avons conçu alors que nous n'étions que de très jeunes garçons. Bon, fait que là, j'ai un anneau. Un anneau de marde, je pense. Ouais, c'est pas mal de la marde. Donc, ce que je vais faire, je vais le dissocier. Et je peux pas le dissocier. Bon. Prendre. Ça. Maintenant, 10. Champignon. Oui. Il y a des champignons vraiment délicieux qui poussent le long de la route d'Andera. Apportez-moi, s'il vous plaît. Un ragoût si succulent, vous allez l'adorer, je parie toute votre dernière place là-dessus. Bon, putain, oui. Bon, là j'ai un bol de champignons.
Double your gained experience for 15 minutes of active playing. Ah oui, non. Ah, okay, non, 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 non. Non, non, je ne veux pas remplacer de bord, non. Indeed. Non, dans ce cas-là, je vais le simplement le placer ici. Hein? Et là, retourner dans le portail. Puis on va continuer. On était. Ben. Eh ben, Rise of Empire. Il n'y a aucun jeu de même que j'ai eu qui était pareil à ça, hein? Aucun. Pas vrai, les sens sont tous de même. Bizarre, non? Et c'était le boss de fin. On était direct à la fin en plus. Donc ça, c'est un niveau de Eternium. Bon, on va tout dissocier parce que c'est de la chenoute. Et aller parler à Alarion, terminer la quête. Ben oui. À chaque jour qui passe, Andera se rapproche. Bon. Terminé. Et ben, c'est un petit jeu comme ça. Pas mal de fun, en fait. Vous êtes pas obligé de regarder la pub tant que ça, je vais vous avouer. C'est sûr que si vous voulez plus d'emplacements pour des sorts qui sont là, pour les emplacements, si je me souviens bien, ça c'est ça. Ça coûte 400 gemmes au niveau de l'amélioration. Mais pour l'emplacement, ça se déverrouille niveau 55, ok? Ça c'est niveau 55. Ça a été changé maintenant, c'est quoi, t'as plus besoin de gemmes? Si c'est le cas, t'as même plus besoin de gemmes, là. Ce qui serait assez assez magnifique, merci. Ben oui, assez, ouais. Ben, je pense... Ah, c'est ici! Personnellement, je vais être au niveau 55 déverrouiller cet emplacement. Ok. Et là, moi, je suis niveau 54. Il m'en manque passablement d'XP. Ok. Ben, je vais déverrouiller ça. Et je vais déverrouiller ça. Parce que voilà, hein. Bon. Et là, compétences.
Ça coûterait combien, ça? 400 pièces d'or, oui, vas-y, des pièces d'or, là, on en a pour les fous, pour les fins. Puis, ça, 400 pièces d'or, bon, voilà. Comme vous voulez voir, comme vous pouvez voir, ça coûte des gemmes pour que upgrader tout de suite, mais c'est vraiment pas obligé. Surtout sur cellulaire, bien souvent, on va jouer pendant 15 minutes, puis c'est tout. Les levels sont pas vraiment longs. Vous attendez chez vous pour faire ça, dans le fond, d'aller chercher des gemmes avec les pubs. Puis, ben pour ce qui est du reste, c'est pas mal le fun, en fait, comme jeu. C'est tout offline, c'est pas un MMORPG, donc... ça, à ce niveau-là, c'est très bien. Ça, c'est... OK. Fait que, ouais. Ça, c'est pas mal le fun, à ce niveau-là. Donc, présentation d'Eternium. Si jamais vous cherchez un jeu dans ce style-là, style médiéval fantastique, mais qui est pas MMORPG, vous allez pas vous faire chier avec avec des gens qui sont trop bons là. Ben, c'est le jeu pour vous. Les graphiques sont corrects pour téléphone cellulaire, sont plus que corrects. Ben, non, sont corrects. Parce que je sais par expérience qu'il y a certains monstres qui étaient ça sonnait, ben ça regardait 8 bits pas mal comme mouvement là, mais c'est correct, ça reste correct. La musique est bonne aussi, tape pas ses nerfs trop. Y a de la pub, mais on peut facilement l'éviter. Vous pouvez l'éviter. Là, je vous ai pas montré plusieurs fonctionnalités comme vous pouvez aller à la forgeron, fabriquer vos propres armes, vos armures, de la façon que ça fonctionne. Ça serait vraiment comme de... Ouais, unique. Ah, il n'y en a pas. Ensemble. Tenue de pisteur. Vous faites vos affaires, puis il faut les merger, si on veut, là, pour ensuite avoir des armures comme ça, là, de type c'est vraiment spécial, là, mauve, là, qui ont, je crois, 3 ou 4 affaires dessus. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir des oranges, qui sont vraiment des spéciales, ils ont 4 affaires. Donc, ben c'était ça, Eternium. Je vous le conseille si jamais c'est votre style de jeu pour cellulaire. Il est pas mal le fun. Il prend pas d'autre place non plus. Donc, sur ce, à la prochaine. Câlin et bisous, tourlou.